Synchrone triphasé, M2. Fonctionnement. Astérisque fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine K-M1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1 met sous tension le moteur à travers des résistances triphasées R2 et R1. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R1. Après de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R2. La moteur tourne dans la première 100. Un action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 qui donne la même cycle décrit précédemment mais la moteur tourne dans le sens contraire car il y a une inversion de deux phases du circuit de puissance. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête.